Bénéfique pour nous. C'était un championnat compétitif. On a joué contre des équipes du pays de Wolf. Oui. Ils ont un basket un peu différent. Ça, un basket un peu développé à base de shoot. Oui. Et nous avons joué contre les premières équipes, les équipes A, parce que l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émirats, c'est la première équipe. Et l'Arabie Saoudite, c'est l'équipe qui est qualifiée au championnat d'Asie. La deuxième équipe, plus ou moins, c'est l'Algérie. L'Égypte, c'est le meilleur joueur du championnat. Ils ont quatre joueurs qui ont voulu en Europe. C'est eux qui n'ont pas pu venir parce que c'est un championnat qui n'est pas reconnu par la FIBA. Oui. Donc on a joué avec de bonnes équipes. Malheureusement, ça aurait dû être avec des équipes comme la Tunisie, la Jordanie, le Liban pour voir comment on peut réagir avec notre basket, comment il va. Donc on a eu ces trois objectifs. Malheureusement, on aurait aimé gagner le titre. Mais le titre, ça se prépare, c'est pas, bien ça sûr. Peut pas, ça, on ne peut pas gagner un titre comme ça. C'est une défaite avec beaucoup de leçons. Et il faut qu'on prépare toutes les échéances. Donc, on a un objectif, c'est le championnat d'Afrique, les qualifs de la zone 1. Oui. Donc on doit les préparer pour se qualifier, c'est simple. Pour le championnat arabe, on n'a pas bien préparé. On avait presque deux jours de préparation. Oui. Il y avait un match de UCMA, je pense, contre les MAS. Alors, oui. Cinq joueurs qui n'ont pas pu venir pour le stage. Oui. Pour le championnat, l'Égypte était les meilleurs parmi les autres équipes. Pour notre prestation, je vais dire que c'est une prestation où on prépare, on veut juste préparer pour le championnat d'Afrique. Oui. Malheureusement, on voulait rapporter ce titre avec nous et voilà, on n'a pas pu. Peut-être, je ne sais pas ce sont quoi les causes, mais bon, on n'est pas content de la deuxième place. بسم الله السيد ان شاء الله ما نقدر انه تبقى السيدة قائمة السيدة النقص اي ثلاث كون بين المنتخب التونسي الجزائر الليبي المنطقة الأولى نتمنى انه نكون في عرض ممتاز ونتأهلوا لكأس افريقيا ونحاولوا نقدموا شي عرض اقوى من هذا الحكم الوطن العربي في الكرة الافريقية ان شاء الله. يلا سي كمال بطلع على الاسلام على الاسلام.